Jeudi 9 juillet 2020, premier jour de confinement décrété par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. En ces jours, les cris des balles ont retenti. À première vue, on s'est croirait dans un film d'action. Et plus tôt, à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où plusieurs milliers de militants des différents partis et regroupements politiques, de l'UDPS à l'UNAFEC, en passant par l'AFDC Bahati, les SCOD de Jean-Claude Muyambo et consorts, sont descendus dans la rue pour protester contre la candidature de Ronsard Malonda. Des pneus ont été brûlés par ces militants dans les grandes artères de la ville. Des projectiles, des casses et des chansons ont été entonnées à leur manière juste pour exprimer leur mécontentement. Ni éléments de la police, ni moins encore ceux de la FRDC, aucune personne a su apaiser les climats. Situation similaire dans la ville de Kasumbalesa et la cité frontalière de Kipushi. Et aussi, on dit non à Ronsard Malonda. Ces manifestants promettent de poursuivre avec les mêmes actions jusqu'au retrait de la candidature du probable futur président de la CENI. Il faut signaler que pour ce premier jour, les bilans non encore officiels parlent d'un décès tiré par balles réelles et plusieurs blessés.